Mesdames et messieurs, la cour. La cour entendra le procès. La reine contre Valérie Fabricant. Objection, votre honneur. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Fabricant? Ce n'est pas la reine qui me poursuit, c'est les araignées qui me tournent autour. Il n'y a pas d'araignées, monsieur Fabricant, c'est vos bibites, ça. Oui, mais les araignées me tournent autour pour me manger mes bibites. Bon, on fera mener l'exterminateur tantôt. Objection, votre honneur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne veux pas qu'on tue mes bibites, ce sont mes bibites et je revendique le droit de les tuer moi-même. Accordé. Comme mes confrères d'université. Oui, monsieur le procureur de la couronne, c'est à vous. C'est du favoritisme, maintenant. C'est la deuxième fois qu'il parle depuis 3 mois. Votre honneur, nous avons encore une fois la preuve que cet homme est fou. Quel homme? Vous. Donc, je suis fou. Ah, vous avouez que vous êtes fou. Je ne suis pas fou, mais c'est une tactique. Une tactique? Une tactique. J'ai fait semblant d'être fou. Et quand je suis à l'Institut, quand je ne suis pas fou, je me fais passer pour un visiteur. Tout est arrangé avec Helmut. Qui est Helmut? Mon dromadaire. Ah bon, vous avez un dromadaire? Oui. Et où est-il présentement? Il est devant vous. Il mange les pièces à conviction. Ah, ben oui, regardons ça. Vous le voyez? Ben oui, il est en train de grignoter le fusil là, que vous avez utilisé. Votre honneur, je demande qu'on relève le procureur de la couronne de ses fonctions car il croit voir un dromadaire grignoter une pièce à conviction. Effectivement, il n'y a pas de dromadaire dans ça. Là. En effet, c'est un chameau. Bon, là, monsieur Fabricant, là, vous allez un peu trop loin. Je vous préviens, si vous continuez encore 2 ans, je me verrai dans l'obligation de peut-être, éventuellement, vous menacer de sévir. C'est un scandale! On me refuse le droit de me défendre! Je veux parler à mon avocat! C'est vous, votre avocat. Alors, je veux me parler. Comment ça va, toi? Pas pire. As-tu vu la game hier? Oui, les Nordiques ont démoli le Canadien. Mais je pense que Pittsburgh va gagner. Au waterpolo, ils sont imbattables. Monsieur Fabricant, qu'avez-vous décidé? Je ne sais pas, votre honneur. Je me demande toujours si le monde m'aime pour mon côté nutritif ou mon côté givré. Attention, là, monsieur Fabricant. Si vous continuez, là, je vais vous faire enfermer à l'Institut Pinel. Ah, ça me dérange même pas. Pas avec les malades, là, avec les psychiatres. Non, pitié! Votre honneur, j'ai une dernière question à poser à mon témoin. Qui est votre témoin? Il s'agit d'un certain monsieur Fabricant. D'accord, allez-y. Monsieur Fabricant! Oui, monsieur Fabricant. Savez-vous quelle est la différence entre les malades de l'Institut Pinel et les psychiatres? Je l'ignore totalement. 100 000 $ par année! Bon. Je demande un ajournement. C'est l'heure de mon massage, puis les ponts sont bloqués vers la rive sud.